Perdu à plusieurs kilomètres du premier village, au beau milieu d'une forêt, se joue la vie de plusieurs milliers de réfugiés. Ils se sont massés ce lundi le long de la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Majoritairement syriens, ils ont fui la guerre et espèrent pouvoir ainsi entrer en Europe avec des pinces coupantes et l'énergie du désespoir. Mais pour Varsovie, qui y voit une opération menée par Minsk, hors de question de les accueillir. Nous sommes confrontés à des provocations de la part des militaires bélarusses et des personnes liées aux militaires, par exemple en visant nos soldats avec des armes. Bien sûr, ils tirent à blanc, mais nos militaires ne peuvent pas savoir de quoi il s'agit. Nous nous attendons à ce que des incidents armés à la frontière polonaise se produisent dans un avenir proche. Nous en avons très peur et nous en ferons part. Le régime de Loukachenko dément toute implication à la frontière, mais pour l'OTAN, il s'agit d'une attaque hybride contre l'un de ses membres. Bruxelles a également accusé le président bélarusse d'orchestrer l'arrivée de cette vague de migrants. Des hommes aujourd'hui pris entre deux feux et utilisés comme armes politiques et médiatiques. Selon la presse polonaise, au moins 10 d'entre eux sont déjà morts dans la région.